Ah, mais là, tu peux passer par tes courses. Tu vois, dimanche. Les étançons. Là, ici au début, comme c'était à bois, on a pâté encore le charbon au pic, la rivelaine. Après, on est passé à l'air comprimé, c'est modernisé. Donc, on a battu le charbon au marteau piqueur. Donc, on va boiser avec des rallonges articulés. Mais la veine étant là, on va boiser perpendiculaire à la veine, parce qu'on travaille dans la veine. Donc, il faut tenir les tirets dans la veine. Pour pas que ça déboule sur nous. Compréhensible. Donc, on mettait ce qu'on appelle des rallonges articulées ici, des plumes. Donc, ils vont enlever une plume, ils vont voir si le poids plaît. Et un biscuit, c'est la clavette, pour tenir. Au début, c'était des étincelles en lumière, donc on les voisait avec des baïonnettes. Ça, c'est les plus petits, ceux-là. Hein, c'est les plus petits étançons, ceux-là. Non. Non. Encore plus petit. Il y a encore plus petit que ça. Ah, oui. Il y a une lumière, là, je vais expliquer sur le bout. Alors là, regardez, là, chez les auteurs, on a représenté différentes. Après, on va abandonner l'avantage. On va les transprendre en 1000 volts. Thank you.
Ah oui, on a des débarquements très importants. Donc, le micro de l'État, la chaîne arrive. Richard, Marou, le relais, le reprendre, le déparer. Et le temps, il faut appuyer. Une partie, une courtoise, une courtoise, une courtoise. Bon, on va y aller par ici. Il marche au pont, il arrête et puis on ne peut pas blesser quelqu'un. Oui. Il dépose sauver le matériel, il ramène, et après il recharge sur l'autre monorail, puis l'autre il renvoie. C'est une question de sécurité. Alors ils ne sont pas en métier, en perso, plus de taille. Hein. Commencé à avoir de l'énergie à l'air comprimé. Donc on a pu avoir des moteurs. Donc on a eu des moteurs à air comprimé, on a eu ce qu'on appelait des couloirs oscillants, les premiers. C'est un moteur à air comprimé qui vient d'un côté, à côté de l'autre. Hop, hop. Alors, saccade, les produits ont passé par saccade. On a eu les premiers convoyeurs à chaîne, des petits, après il y a plus d'autres, c'est l'évolution, comme on dit, hein, modernisation, l'évolution. Donc après on a abandonné
l'abattage, on va couper, on est passé à l'abattage, soit en rabot, soit en veine. Aussi, c'était un rabot. Alors, un rabot, les pattes, les groupes motos réducteurs, tête et pied, pour faire marcher les chaînes. Groupe moto réducteur, tête et pied, pour faire marcher les chaînes du rabot. Vous le voulez faire aller. Donc, le rabot, tête, pied, tête, il va monter. Ces pieds qui vont monter dans le massif, ils vont faire une saignée. Et je l'envoie au-dessus, ils tombent tout seul. Son propre poids tombe dedans. Mais comme je dis, un rabot, si vous n'appuyez pas, vous n'avez pas de copeau. Ah, c'est comme si on veut couper un bout de viande, si on n'appuie pas sur le couteau, on ne peut pas le couper. Ça, c'est pareil. Donc, il faut faire attention à vos pieds, il y a des vérins tout le long. On appelle des rippers. Les vérins sont toujours en pression. Donc, ils poussent l'installation sur le massif de charbon. Donc, les couteaux sont obligés de mordre. Donc, on va faire la saignée, on va l'abattre. Le charbon ne va pas être abattu. Et en supplément, toute l'installation, au plus il y a mieux que le charbon est abattu, toute l'installation avance. Mais il y a double rôle. Il pousse obligément et toute l'installation, elle se rit tout seul. Elle avance tout seul. Enfin, tout seul, c'est le mot, il pousse. Hein. Il y a un type qui est aux manettes et puis il pousse. Et quand on est en bout de course, on remet le verre à zéro, on le repose derrière. Voilà. Alors, ce qu'on appelle une niche. Ouais. Elle sent toujours pète au marteau-piqueur. Alors qu'on a beau au rabot. Pourquoi? On aurait pu attaquer le massif de charbon au bord. Ouais. Avec le rabot. Là, on attaque là-bas parce qu'il y a les traces là-bas. Vous voyez là-bas? Mais on voit là-bas. Mm-hmm. On attaque là. Pourquoi? Pour rattraper sur le côté après, non? Non, parce que vous verrez le rabot, la longueur du rabot. Et toute l'installation, déjà, elle prend toute la bois ici en tête. Si on ne peut pas lui sortir le rabot en supplément, il peut être à peu près 2 mètres. Et on peut avoir des bois de poids plus larges. Donc en le pesant, ça coûte moins cher à le faire au marteau piqueur. Attention, comment on se croiser. On va se croiser. Oui. On n'a pas foutu le charbon. On est toute l'après-midi. On est tout blanc. On est noir. 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 Mais le rabot, j'ai tout l'ensemble ici. Les coulisses sous les bacs, vous ne voyez pas. Les chaînes sont marées ici. Et là-bas derrière. Et on attaque le massif de charbon avec ses couteaux, soit ici, soit qu'on monte ou descend, et là-bas. On n'attaque pas là. Hein. C'est pour ça que je vais déparler de la niche. Il n'y aurait pas encore sorti cette partie-là en supplément dans la transversale. Là, elle n'a pas dû être beaucoup plus large. Donc si la benne, là c'est des couteaux, il y a des plans de largeur. Si elle est tendre, on mettra un couteau large, en gourmand. Si elle est dure, on mettra un couteau étroit. Et si la, ça augmente un peu, bah, on peut rajouter des chapiteaux. Si ça baisse, on en enlève. Mais le rabot, là, il bouge comme ça, non? Les ailerons bougent. Hein? Les ailerons, ils bougent. Parce qu'il se déplace, c'est comment il fait, non? Bah, sous les bacs. Ah d'accord. Et bon, j'arrive pas à arrêter les gens pour l'expliquer. D'abord, vous voyez cette partie qui dépasse. Ouais, vous voyez pas les chaînes amarrées. Les chaînes, elles sont de l'autre côté. Hein? Bien, vous voyez pas, elles sont de ce côté-là. Mm-hmm. Elles sont cachées dans les coquilles. Elles sont côté passage. Là, j'ai passé des tailles. Et pour j'explique la nuit, donc, il peut combien puis c'est 2 mètres. Donc, il y a 2 mètres en supplément, les bois, ils vont plus être comment? C'est pour la raison qu'on fait finir. Ces étançons vont être remplacés par des vérins hydrauliques. Ouais, ouais, alors, 4 vérins pour tenir les étançons, 2 casquettes. C'est leur terme, pourquoi vous dites des casquettes? J'en sais rien. C'est leur terme. 2 casquettes qui vont remplacer le demi-châssis, là, en haut, le bout de bois. Ouais. Les deux vérins, ici, en bas, vont les réunir entre eux par des lames pour former un cadre. Idem pour ce supérieur. Là, il y a deux vérins stabilisateurs
les petits vérins, là, ouais. Pour tenir l'écartement de la pile qui reste bien droite, elle va dans tous les sens, hein. Plus elle vient à translation pour lui permettre d'avancer. Alors, un des câbles, on va le rattacher sur la tige de piston. Ouais. L'autre câble, sur le fût du piston. Il y avait rien, il y a une tige, il y a un fût. Ouais. Ouais. Donc, quand on aura fait les 70 cm, il faut tourner les terrains, vous voyez, ouais. On baisse derrière, au lieu de déboiser là-bas, on baisse derrière, on baisse devant, ouais. On sort la tige de piston, ouais. On va avancer, on va se mettre ici. Et on les fait un par un. Les deux, un, deux, on sort, on avance. Ouais. On remet en pression, ouais. Un cadre de P, ouais. On baisse le deuxième. Ouais. Comment on a sorti la tige? Un chat, on va rentrer le fût, hein. On l'enlève à zéro. Comme il est sur le flux, qu'est-ce qu'il fait le deuxième? Il avance avec. Il se remet à zéro. Ah, d'accord. Et ainsi de suite, comme ça. Là, on a votre charbon, derrière, chez foudroyage. Et chaque pile, elle est commandée de la pile supérieure, qui est en sécurité. On ne peut pas travailler dans la pile. Non, mais je dis, on est bien pour travailler. C'est grand. Ouais. Mais là, je ne peux pas travailler, le pile, elle est là. Ah ouais? Là, je ne peux pas, je rabouille marre. Ouais. Derrière, je ne peux pas, qui est le foudroyage. Ouais. Et d'accord, ouais. Je travaille. Entre les deux, non? Maintenant. Ah ouais? Ah, ici que je travaille. Là, je vais me mettre à la machine. Et là, on travaille à quatre pattes, là, vraiment. Ah ouais? Dans le terrain, dans les plexiglas, dans tout. Vous n'avez pas un fauteuil, là, pour travailler, là? Ah, mais c'est long, là, qu'on travaille. Ouais, bien qu'il fait plus grand ici, vous voyez. Là, j'ai du marais, c'est les piles françaises. C'est soutènement marchand, ça, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Une question. Donc, il rippe tout seul ensemble. Hein? Bah, il rippe tout seul. Disons que le vérin, il va c'est tirer, la semelle, quoi, qui se déplace. Puis... Il est sur le sabot. Il est relié avec des larmes entre deux pour qu'on ait un cas. Ils ont tous des sabots. Donc, il a la main dessus. Comme elle sort, elle va le tirer. Mmh. Il est baissé, il y a rien qui le retient. Ouais, d'accord. Puis on met en pression. Il est pressé, là. Voilà. Il fallait tout ce matériel-là, ou bien... Quoi? Bah, tout ça pour... Ah ben pour oui. Ah ouais. Carpille, il faut depuis les piles. Oh. Alors vous avez